Bonjour, bienvenue sur ma chaîne The Tricot House, je suis Julie et puis aujourd'hui je vous retrouve pour une manipulation. Alors je n'appelle pas ça un tutoriel parce que pour moi ce n'est pas un tutoriel. Je vous disais à quel point j'étais stressée de faire mon steek. Pour ceux qui ne savent pas, c'est couper un tricot une fois qu'il est déjà tout tricoté. Pour créer une ouverture, pour le changer en gilet par exemple. Je suis super stressée, donc je me suis dit que ça pouvait être super le fun qu'on fasse cette partie très stressante pour moi ensemble. Donc pour ce faire, il faut bien entendu mon tricot que je dois couper. Une laine plus petite que le tricot utilisé et un crochet bien sûr qui match avec la taille de la laine qu'on utilise et bien sûr une paire de ciseaux. Donc je pense que on est parti. Avant que j'oublie et qu'on commence tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et puis, allez, on est parti. Bon, alors, on est parti. Je vous avoue, franchement, j'ai vraiment peur. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris une laine plus fine, comme demandé. C'est une bergère de France. Elle est indiquée comme aran là, mais vous voyez que franchement elle est très fine là comparée à la mienne là, ça ira très bien. Puis apparemment il y a du mohair, laine et polyamide, donc ça devrait coller un peu parce que apparemment non, en fait, j'ai regardé les vidéos là juste avant de faire avec vous. Je vous mettrai peut-être une vidéo quelque part là. Vous voyez que mes mains, mais il faut une laine qui colle. Forcément, moi je fais ça avec de l'acrylique, hein. On est bien d'accord que ça colle pas du tout, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, il faut faire une maille coulée. Donc, ceci n'est pas un tuto, hein, c'est juste pour qu'on fasse ensemble en fait, parce que franchement je suis super stressée, puis je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on le fasse ensemble. Donc je suis pas là pour vous expliquer vraiment la maille coulée et tout le reste là, mais si ça peut aider, tant mieux. Donc j'ai pris un crochet de 3,5 mm, je sais pas si vous le voyez bien, mais je pense que oui, parce que j'ai pas le retour caméra. Mais donc j'ai passé j'ai fait un nœud coulant sur mon crochet, j'ai passé le fil dans ma maille. On se fera encore un fil à rentrer après, ça c'est pas très grave. Donc là je fais une maille coulée, donc je fais un jeté sur mon crochet, puis je passe mon crochet dans la maille que j'ai fait, je serre un petit peu. Et là, donc, en fait, ce que j'avais loupé cette chose-là, c'est qu'en fait, il faut joindre cette maille-là avec cette maille-là, parce que je vais couper ici. Honnêtement, bon, je vais voir ce que ça donne, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ça, sûrement pour reprendre les mailles après, on va voir. Donc, pour être sûr de bien prendre, je pense que c'est plus celle-ci et celle-là. Donc je fais mon jeté, c'est que des mailles coulées, je passe, je serre vraiment trop mon fil, je passe dans les mailles et je ressors. Donc je l'ai fait une fois. Oui, là, vous le voyez peut-être pas à la caméra parce que c'est pas vraiment contrastant du tout. Mais là, la maille est bloquée ici. Donc, il faut faire ça tout le long. Alors, on va en faire quelques-unes ensemble. Et puis, on va se retrouver pour la suite après, quand j'aurai fait un peu plus. Donc, juste le chandail n'est pas terminé, mais je l'ai essayé hier pour voir la longueur des manches. Et je me suis rendu compte que si je faisais la bordure maintenant, ça m'aiderait en fait pour voir la finition totale de comment il va tomber, pour définir la longueur de la manche. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais arrêter la manche où elle était et puis faire mon steek aujourd'hui pour pouvoir continuer la suite après. Donc une fois que j'aurai fini le steek, je vais me lancer dans la bordure. En fait, au départ, je voulais faire le steek, j'hésitais en blanc ou en noir. Je regardais pour voir si j'avais assez de noir, celui-là. Je pense que je vais essayer de faire la bordure tout en noir. Pour la faire ressortir un peu et puis voir, j'avais envie de ça là. Je me suis dit que ça ferait un beau contraste. Donc voyez là, je fais tout le long. Je vais peut-être pas vous filmer tout le long du long parce qu'il faut faire l'aller puis le retour. J'ai pas encore regardé le retour. Je pense qu'on va se retrouver à la fin de ce rang-ci pour voir qu'est-ce qu'on fait après. Et on va faire ça par étapes. Donc là, vous voyez, j'ai fait cette portion. Et puis à chaque fois, je passe mes mailles. Et puis ici, là, c'est l'endroit où on va couper. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc là, il faut que je continue. Hein. J'avoue, c'est un peu... j'ai pas l'habitude de travailler du tout comme ça, avec le crochet. Mais... en tout cas, autant que je suis stressée de voir le résultat, autant j'ai vraiment hâte parce que je voudrais voir qu'est-ce que ça donne là. Bien entendu, ça marche pas super à tous les coups parce qu'il faut bien prendre tous les fils. J'ai pas vraiment envie de me louper pour refaire quoi que ce soit. Parce qu'on est bien d'accord qu'une fois que j'aurai coupé, même récupéré la laine pour faire quoi que ce soit, si jamais c'est foutu, on va se dire que ça va pas être possible. Hein. Donc, la laine c'est de l'acrylique, mais quand même, hein, c'est du travail. Et puis j'ai hâte de voir le résultat là. J'ai essayé un peu hier, ça donnait bien, j'étais contente. Je vous montrerai quand ça sera fini là. Là, c'est pas un tutoriel, c'est juste que j'avais envie de faire ça avec vous. Je sais que je me répète, mais il paraît qu'il faut répéter au moins 3 fois les choses. Alors. Bref, donc, je pense que j'ai pas mal avancé. Je vais vous laisser là, et puis on va se retrouver en bas pour la suite. Alors, je reviens parce qu'on arrive à quelques mailles de la fin. Donc j'ai bien avancé, ça donne quelque chose quand même de que j'ai pas l'habitude de voir en fait. J'avoue, c'est vraiment quelque chose. Donc je vais faire ces dernières mailles avec vous. C'est bizarre, quand la caméra est allumée on dirait que je sais plus les mouvements. Et puis, quand vous n'êtes pas là, ça se fait tout seul. Oui, alors, je dis... en fait, ce que je ne savais pas, ou ce que j'avais oublié, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est que normalement, les sticks, ça se fait avec une laine collante. Moi, je le fais avec de l'acrylique, donc forcément, c'est vraiment pas collant. Donc j'espère que ça va bien marcher, mais je dis il paraît parce que je peux pas l'affirmer parce que c'est ma première fois, mais dans les vidéos que j'ai regardées, ils disent que la couture comme ça au crochet c'est comme plus solide. Donc là j'ai fait la dernière maille, je vais piquer ici pour sécuriser dans la maille de bordure. Hop, et je vais piquer dans la maille d'à côté pour sécuriser encore une fois. Hop. Voilà. Et moi, comme je suis une stressée, je fais encore une fois et une autre fois que je serre. Donc, je vais couper avec un ciseau. Je laisse de la marge et je passe mon fil. Comme ça, c'est coupé. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que vous voyez, mais ça fait une petite boule là. Ben on va voir après quand il va falloir reprendre les mailles. Ben maintenant je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Je pense que je vais commencer par le bas et remonter cette fois-ci, et puis ben je reviens vous voir quand j'ai tout terminé pour faire la suite de tout ça avec vous. À de suite. Finalement, j'ai décidé de revenir un peu plus tôt parce que je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant de faire le nœud coulant avec vous que j'avais pas fait tout à l'heure. Moi, je fais quelque chose de simple, donc une boucle avec donc le fil de la pelote qui passe par-dessus le fil qui n'est pas tenu à la pelote, et ben je passe le fil de la pelote dedans et après il y a juste à serrer. Donc je mets ça sur mon crochet. Et oui, effectivement, j'ai les aiguilles qui sont tombées. Mais je vais partir donc du bord, vraiment en bas. Là, comme souvent, j'ai un peu trop serré. J'ai pas vraiment l'habitude de travailler avec ces crochets parce que mes crochets pour crocheter sont ergonomiques. Là. Mais bon, pour faire ça, ça suffit largement. Donc je vais passer dans la maille. Moi j'aurais bien envie de... Ben je vais passer dans celle-là pour sécuriser en fait. C'est la maille juste à côté, vous voyez le bord là. C'est la maille juste à côté de là où je dois ben, piquer les deux. Je trouve ça étrange. Je bloque un peu, mais c'est parce que je trouve ça étrange. Donc, je vais piquer dans cette maille-là, ici. Si j'y arrive, mais je vais y arriver, voilà. Je vais passer mon fil. Parfait. Je vais rentrer là. Donc là, j'ai juste sécurisé mon fil et tout ça là. Puis je vais dans celui juste à côté pour faire une autre maille coulée, juste par sécurité. J'ai pas fait ça en haut, mais c'est pas grave. J'ai vraiment assez de fil pour sécuriser le tout. Et puis ben maintenant je vais juste recommencer comme on a fait ben, de l'autre côté. Donc cette fois-ci je vous retrouve quand tout est fini. Voilà voilà, bon j'ai fini de faire le crochet là, vous voyez les fils, la bordure, le fil est ici et l'autre est ici, donc ben c'est là qu'il va falloir couper. Ben il va falloir y aller hein. Honnêtement je suis super stressée, mais il paraît que tout se passe bien. Alors j'ai pas les super ciseaux du monde, mais ils coupent, c'est les ciseaux de mon fils. Donc pour ceux qui savent pas, ben, comme moi, mais maintenant je vais savoir, en fait c'est les lignes, ici là qu'on va devoir couper. Ben, j'ai envie de vous dire, je vais peut-être prendre celui-là de ciseaux parce que déjà, ben, il est pointu. Et comme je me sens un peu plus à l'aise avec. Donc, eh ben, on y va, écoutez. Hein. De toute façon, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Ça m'aura servi de leçon au cas où. C'est un exercice. Non mais écoutez, apparemment tout se passe bien. Donc je vais continuer tranquillement, peut-être en dehors de la caméra. Je sais pas si je suis dans la caméra, non j'y suis même pas. Ben voilà, j'ai commencé à couper. Ça donne ça de l'autre côté. Bon, ici les fils sont pas rentrés, mais ça donne ça. Mais on se retrouve à la fin, voir qu'est-ce que ça donne. Et puis on va voir la suite ensemble. Je vous dis à de suite. Alors voilà, j'ai fini de couper. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai coupé, mais je suis un peu angoissée parce que là, il y a des fils comme si ça se défaisait. Ben, ça se défait dans le fond. Donc, ben, je pense qu'en reprenant les mailles et puis comme ça va se plier sur lui-même, je ne sais pas exactement encore trop, mais ça devrait tenir. Espérons-le. Donc, je vais reprendre les mailles. Je vais enlever un peu tout mon bazar. Je vais reprendre directement ici dans le V, très très bas. Puis comme j'ai dit, je voulais reprendre avec mon fil noir. Donc ben, reprenons avec le fil noir. Hop. Voilà. La première est toujours, je sais pas vous, mais voilà. Parfait. Donc là, on y est. Et puis, le patron me dit de reprendre, je sais plus quoi, mais moi, quand je l'ai fait le premier, ça donnait pas super bien. Puis le deuxième, j'ai repris maille après maille. Et j'ai trouvé que c'était mieux. Donc je vais reprendre maille après maille. Si ça veut bien. Et puis je vais continuer à tricoter ma bande de boutonnage. J'ai toujours pas décidé si j'allais faire un bouton ou pas. Donc vous allez voir ça dans le prochain podcast. Je fais simplement maille par maille, là, vous voyez, j'ose pas tirer du tout, parce que j'ai vraiment peur que ça se défasse. Alors, bien sûr, l'aiguille s'en va, hop, voilà. Donc, je vais prendre maille par maille jusqu'au bout, le plus loin possible, et puis comme je vous ai expliqué la dernière fois, là, je vais faire tout le tour, jusqu'à l'autre côté, puis je vais tricoter comme ça. Donc ben, vous verrez le résultat dans le prochain podcast. Je vous dirai comment ça s'est passé au niveau du stick. Mais bon, vous voyez, on l'a fait, on l'a coupé. Pour le moment, ça tient. Même s'il y a des bouts qui me font super stresser, ça tient quand même. Je pense que pour une fois, en fait... J'ai pas serré la chaînette là que j'ai fait au crochet. C'était pas précisé, j'avoue. J'ai pas pensé du tout à serrer. Enfin, j'étais pas là-dedans. Je pense pas que ça changerait quelque chose. Parce que d'après moi, c'est quand même solide. Et puis c'est quand même... du fil qui passe pas dans le même sens que le tricot, donc ça devrait quand même faire un blocage. On verra la suite là. Donc je vous dirai tout ça dans le prochain podcast. Merci pour m'avoir regardé dans cette aventure avec moi, de m'avoir supporté dans mon stress. Et puis n'hésitez pas à cliquer j'aime si ça vous a plu, à vous abonner, puis à partager. N'oubliez pas le concours qui est jusqu'au 31 mai. Donc, et là-dessus, je vous retrouve pour le prochain podcast. Prenez soin de vous. Bye. Bonjour, donc je reviens pour une vidéo, mais finalement pour vous résumer tout ce qui s'est passé, car comme j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que pratiquement tout est hors champ. On va dire que c'est le début et que c'est le métier qui rentre, plus ou moins. Donc pour vous résumer, j'ai pris mon crochet avec mon fil. J'ai pris deux mailles, celle-ci et celle-là. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'elles sont pas ensemble. Parce que là, vous voyez, la maille fait une boucle, ici fait une boucle. Ces deux-là ne font pas partie de la même boucle. Donc, je prends ces deux-là et je fais une maille coulée, hop, comme ceci. Voilà, et je recommence sur la maille d'après juste en haut et celle d'après juste en haut et encore l'autre juste en haut. Donc techniquement on fait ça sur toute la longueur du tricot, en aller et en retour. Une fois qu'on a fait ça, ça fait comme deux petites lignes et après il n'y a plus qu'à écarter tranquillement et couper au milieu. Donc ce que je peux vous montrer aujourd'hui, c'est le résultat final, puisque j'ai réussi à terminer puis faire le bord côtelé. Donc voici le bord côtelé de mon travail, peut-être une partie plus claire pour que vous puissiez voir. J'ai fait exprès de faire une bordure foncée. Donc ça c'est le côté endroit. Et puis le côté envers est ici, donc les parties coupées. J'ai pas encore rentré tous les fils, pardon. Là où je reste très angoissée, c'est que vous voyez là, ça se défait parce que c'est pas un fil qui colle. Je pense que je vais voir peut-être si c'est possible d'aplanir déjà cette partie-là pour pas que ça reste comme ça là, parce que quand le gilet va être ouvert, ça va être vraiment moche. Et puis trouver une solution pour arranger ça. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment trouvé qu'est-ce que je dois faire, mais voilà le résultat final une fois que c'est coupé. Je pense qu'il y a d'autres vidéos de d'autres personnes qui le font avec une laine qui colle, et là dans ces cas là oui, vous avez les fils de couper, mais ça se défait pas autant. Donc voilà pour le résultat et la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour ce problème technique. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, bye.